Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle VOD de GTA San Andreas. Je suis toujours en live sur Twitch avec le chat qui est juste ici. Regardez comme ils sont beaux. On va continuer un petit peu, on va essayer d'avancer un petit peu dans le jeu. On va essayer de s'occuper un peu du perso, de prendre de la masse corporelle et de devenir un vrai gangster. Messieurs, le chat, installez-vous tranquillement sur YouTube, installez-vous tranquillement. On est parti, on perd pas de temps. Tout simplement. Donc là, on a pas mal de missions débloquées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on irait pas? On va peut-être... allez, petite gym. Par contre, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien. C'est désert. On va essayer un peu d'aller au club. Désolé pour tous ceux qui ne sont pas passés sur YouTube. C'est fini. Vous aurez une autre chance. Baf! Et là, on a vraiment... On a foutu le bordel pendant longtemps, là. Il va falloir avancer un peu. Direction club de gym. Par contre, ça me trigger d'avoir toujours une arme dans les mains parce que du coup, tu tires. Ok, le club de gym. Ouais, on va visiter aussi un petit peu la map. On se fait plaisir. Parce que je me rappelle plus, mais c'est long, je crois, pour devenir musclé, non? Oh, stylé. Oh, il y avait les matchs de boxe et tout. Ah, mais je me rappelais pas de ça, moi. C'est pas cette salle où j'allais. Je me rappelle qu'il y avait des haltères et tout, où tu soulevais des trucs. On va le faire en... Écoutez, YouTube a choisi... On a eu le fat CG, le gros CG tout à l'heure. Là, on va vraiment essayer de se le faire en musclé. Oh, regardez la bagarre! Vas-y, Francky! Avec tes lunettes de piscine, là! Ouais! Foulez une patate! Attends, je vais venir. Je vais venir, la vie de ma mère, je vais venir. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Oh merde, ça marche, vraiment. Ah, c'est ça que j'adore dans le jeu, tu peux tout faire, tout est possible. Oh, deviens. Mais moi, je vous prends, en fait. Moi, je vous prends. Oh, je triche, j'ai un... Comment on se protège? On peut se protéger? Attendez. Oh! Ah! Comment on se... Ah, c'est bon, je me protège. Ah oui, c'est carré. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Rien du tout! À terre! Voilà, à terre aussi! Jusqu'à ce que tu meurs! Merci pour ton service, Rugal. Bienvenue dans GTA San Andreas. Oh putain. Je crois que je l'ai tué. Je crois qu'il est mort. Ah bah lui aussi. Et lui, il est là, genre, ouais, ouais, vas-y. Mais monsieur, ils sont morts. Je les ai tués. Ils sont morts. Il lui fait quoi, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu quoi, t'essayes de taper quelqu'un? Attends, si je me mets devant, genre tu vas me taper? Je suis clairement bugué là. Oh putain. Mais monsieur, vous tapez une crise ou quoi? Oh, j'ai tapé tout le monde dans la salle, vas-y mon saoulé. C'est ma salle de sport là, c'est bon? T'as capté? Voilà. Ah bah voilà, je peux prendre les haltères à côté du cadavre. Ok, on va commencer par du 55 kilos. Parce que je suis beaucoup trop chaud. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Pour soulever les haltères, appuie sur X quand la barre d'énergie atteint la zone mise en relief. C'est-à-dire... Ok, d'accord. Comme ça? Ça marche, là? Allez, c'est trop facile, 50 kilos! Moi, je nique tout! Allez, CG, tu soulèves! Tu soulèves, mon garçon! Allez, mon garçon, à côté des cadavres de tes victimes! Voilà, tu prends en masse musculaire et tu pousses. C'est ça le temple, bienvenue dans le temple. Et oui les gars, la motivation. Ce matin on s'est levé, CG s'est levé, il s'est dit je vais pousser, je vais changer ma vie. Toi aussi, change ta vie et va au temple et soulève des haltères de 55 kilos. Regarde comme c'est facile, regarde. Voilà, c'était mon motivation speech. Je sais pas si ça vous a aidé, mais... J'ai essayé de faire comme les vidéos qu'on voit un peu partout sur Facebook et tout. J'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de prendre le pont. Parce que l'ambition, ce n'est qu'un choix. Mais vas-y, CG, soulève là. Oh. Voilà. CG in shape. Voilà, mon garçon, avec tes vieilles sandales, là. Regarde l'allure que t'as. Regarde, mon beau garçon. Voilà. Ah oui, il y a la salle de muscu en plein air qui existe en vrai, hein, qui est aussi dans GTA 5. Salut Saucisson Sauvage, bienvenue pour la première fois. Les gars, vraiment, j'en étais sûr que c'était méga long, j'en ai déjà marre. Ah, ah bah, t'as atteint ta limite pour aujourd'hui. Ah bah. Ah ouais, là, franchement. Ah non. Ah, le score, plus jamais. Ça doit péter le dos, miskin. T'as dit Cyril, fais-toi des meules énormes et sèches. Eh oui, on atteste ce cadavre
Tiens, je te teabag. Voilà. Sans l'odeur de la sueur et des haltères de 55 kilos. Je ressens la virilité. Voilà. Et ça, c'est quoi? Yo, you wanna learn some new... Tu veux que je t'apprenne de nouveaux mouvements? Oui. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. Trouve-toi des muscles d'abord. Tu dis quoi? Ah, des muscles? Ah ouais? Eh ben, vas-y. Eh ben, tiens. Le gars a pas d'argument. Il est juste violent. Voilà, voilà. Là, tu goûtes aux muscles. Là. Goûte ma grosse sandale. Ma grosse chaussette de chez Babou. Voilà, prends ça dans ta gueule. Il l'a un peu trop ouverte, lui. Il m'a dit quoi? Les gars, il me pose une question. Il me dit, tu veux apprendre des moves? Bah oui. Et là, il me dit, oh, bah non, trouve-toi des muscles. Bah, pose-moi pas la question avant, alors. Si tu sais déjà de base que je suis pas assez musclé. T'as cru quoi? T'as cru que j'étais une victime? Allez, je vais voir Big Smoke. M'a saoulé, moi, cette histoire. Ah, t'as des combos, il faut les apprendre, en fait. Après, ça t'apprend à esquiver, à faire des petites roulades et tout. Non, mais je vais éviter de faire les codes, Papou, pendant le let's play, parce qu'après, c'est plus très drôle. Si t'es full musclé, t'as toutes les armes et tout, t'as aucune progression, c'est pas très drôle. On joue legit, on joue legit. Merci Isa, merci beaucoup, merci pour ton sub. Hey, hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Allez, let's go. Ce sera demain, Babouche, demain soir, normalement, la vidéo, elle sera vraiment la VOD complète pour que tout le monde puisse la voir. Parce que là, les gens peuvent la voir, mais c'est que... Faut être sub à la chaîne Twitch. Donc, c'est pas du tout une obligation, c'est pas du tout quelque chose que je demande. Ce sera sur YouTube demain, avec une belle petite miniature, tout ça. En HD. Oula, oula. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster, man. I see. What do you do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyride, parking fines, or some other bullshit. Merci Corentin, merci beaucoup pour ton petit sub. Allez, j'ai pas du tout suivi la mission, mais Osef. Hein. On peut aller dans la mairie? Je m'en rappelle plus pourquoi. Il y avait un point de... Look at this fool, man. Perpetrate like he banging. Ouais, c'est Tupac. C'est clairement une parodie de Tupac, le gars. Je m'en rappelle plus de ça. Hey, what's happening with Jeffrey? Hey man, it's OG Loke, homie. OG Loke. Ah, my bad. Non, mais mon perso, il a aucun style. Faut qu'on fasse quelque chose, les gars. Hein, faut qu'on fasse quelque chose. Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey Jeff. I thought you was going to college. Man, fuck you! Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, ça me dit quelque chose, cette mission. Pas t'infiltrer dans des studios d'enregistrement de musique ou... Mais ça me semblait beaucoup plus loin. De musique. Let's go! Oh, ça me fait vraiment plaisir, les gars, de rejouer à cette trilogie, je vous jure. Il y a Vice City que j'ai hâte aussi de refaire. J'adore les personnages et le scénario de Vice City. Il est incroyable. Merci Paul, merci pour ton petit sub. Tu as bien mérité ton kikiki. Vice City, c'est clairement une ref à Scarface. Hein. Tous les films de De Palma, pour ceux qui connaissent. C'est lequel ton préf des GTA? Si vraiment on se parle de tout GTA confondu, honnêtement, même si la trilogie est genre incroyable, je pense vraiment pour moi la claque c'est GTA 4. GTA 4 pour moi c'est le jeu qui m'a explosé à la gueule. Hey Lo, hold up. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on that. Ouais, il y avait Phil Collins qui faisait son solo. I can feel it coming. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhyme. Allez, on va les déglinguer. Ouais, c'est le club des Mexicains. Get back here, nigga, you crazy.
Hey, yo, back off me, CJ. I gotta protect my rent. Et c'est parti. Youhou. Chase me, chase me. Ah non, il a écrasé quelqu'un, je pensais qu'il était tombé. J'allais dire, waouh, quelle efficacité. Déglingue le Tupac. On va se le faire. Voilà. Oh, le stunt. Oh, waouh. Oh merde, j'ai tué un flic. Wow. Oh, c'est quoi ça? Oh putain. Vite, 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 remonte, remonte, remonte. Il est où? Il passe par là. Ah, écartez-vous. Ah, c'est bien parce qu'il m'attend. Oh, la meuf, elle s'est envolée. C'est gentil, ça, de m'attendre. Waouh, wow, on va beaucoup trop vite, là. Waouh, 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 waouh. Waouh. Oh, merde, Tupac. Allez, allez. Regarde, il m'attend à chaque fois, c'est trop sympa. Ok, c'est R1 pour déraper. J'ai vu, c'est assez pratique. Mais alors, mon gars. Oh, putain, mais comment il s'envole. Oh là là, waouh. C'est vénère. Oh, mais merde, je fais que tomber. Je fais que des têtes à queue. Regarde, il va m'attendre. Ah non, là, il m'attend pas, par contre. Il m'attend pas, hein. Viens là, saligo. Oh, les bâtiments, ils sont stylés. Flingue là. Oh, wow. Oh, oh. Wow. La dingue. Putain, on fait que se ramasser la gueule, quoi. C'est honteux. Allez, monte. Ah, c'est par là. Hop là. Viens là, viens là, viens là. Mais pourquoi je jette sur ma moto, lui? T'es un fou. C'est interminable. Elle fait clairement un petit tour de la ville, en fait. Waouh. Allez, on se le fait, s'il vous plaît. Oula. Moi, j'ai plus de balles, hein, j'ai plus d'armes. Mais quand est-ce qu'il meurt? Eh là, tu dois tomber! Ouais, je suis concentré. Ça me rappelle la mission du train, comment elle était trop dure. All you have to do was follow the goddamn train. Là, je pilote pas mal, hein. Oh putain! Ils sont partout! J'ai quoi comme arme? Ok, mais j'ai un pistolet. Pourquoi il tire pas au pistolet? Attends, mais ma visée elle est pas bonne. Gameplay, visée assistée. Bah si, c'était ça. Non. Visée assistée. Elle est pas assistée là. Elle est aimbot. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real, unlike you fake ass motherfuckers. Come on, gangster, let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing, let's roll. Hey, take all right. The shot in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a... Par contre, sa vie, lui. Est-ce que je peux reprendre une moto? Ah oui. On va reprendre la moto. Putain, ça, c'est vraiment le ciel de San Andreas, quoi. Tout orange. Allez, c'est parti. Voilà. Après, il faudra se remuscler, hein. Je crois que c'est long, hein, pour se muscler, quand même. Il faut que j'arrête de manger des buckets. Voilà. Ah, je suis pas mal en muscle. Je suis pas mal.
Ouais, faut pas que je me plante. Un tout de berlingue. Tu vois, le soir, c'est vraiment vide, par contre. Ça aurait été bien d'ajouter un peu plus de bagnole et tout. Oh, putain. Wouh. Wouh. Oh, bah, désolé, madame. Désolé. C'était soit le poteau, soit vous. J'ai fait mon choix. Regarde comment ils se tiennent. J'avais pas fait gaffe. Et il se tient à quoi, là, en fait? Tu m'expliques à quoi il se tient, là? Regarde, il fait la poule. Ça va, gros? T'arrives quoi? Il se tient strictement à rien, en fait. Ouais, c'est un petit burger. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. Non, je crois pas que c'est celui-là, Cracker, quand tu tires sur la lune. Je suis pas sûr. Je crois que c'est GTA 3 pour moi. C'est GTA 3 où tu tires sur la lune et ça grandit. Ah merde, j'ai fait quoi? Ah merde, c'est une mission. Je voulais manger. Gangster? You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down. As long as I'm. Merci, Isa. Merci beaucoup. Ah ouais, 100% sur Vice City, ok. J'étais persuadé que c'était le 3. I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway. What you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach. For a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't wanna stop me. Mais y'a un mec qui me parle comme ça. Yeah, 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 man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Alright. Alors, on va se prendre un petit burger shot. Quoique non. Mais... Putain, mais je me promène toujours avec mon gun, quoi. Oula. Waouh, c'est quoi ce chara-design? Wouh. Oula, ça va, madame? Giga bœuf, menu salade. On prend un menu salade. Voilà, putain, ça me donne faim. J'ai pas trop mangé, les gars. Non, pas de bucket, Zana. Je veux vraiment être musclé. Y a pas de burger vegan là-dedans. Est-ce qu'on irait pas sur un petit truc ou quoi faire? Parce que là, il faut faire quelque chose. On peut s'acheter des tresses africaines, les gars. Oh, il est stylé celui-là. Waouh. Putain. Ça a changé le coiffeur, waouh. Ah mais en plus, d'accord, selon les salons, ça change. Oh, l'Iroquois, j'ai trop envie de voir. Ça, c'est l'agence touriste. Waouh, j'aime bien. Oh, un Iroquois rose ou blond. Oh non. Blond. Oh, la tronche. Non. Les tresses blondes. Oh, moi j'aime bien. Les gars, on valide ou pas? Est-ce qu'on valide? Il avait un fromage, un bout de beurre sur le crâne avant. Là, avec un peu de muscle, tu vois, je me dis... Ouais. Il y a du oui, il y a du non, il y a du oui, il y a du valide. Ça valide de ouf. Non, oui, 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 on valide, oui, 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 non. Bon, il y a plus de oui. Je pense qu'il y a plus de oui, c'est Pogba, clairement. Mais Pogba, il a pas des tresses blondes. Nice, les gars, matez-moi ça. Life is a circle, friend. Allez, ça valide Axe. Attention, Zanar, ce que tu dis quand même. Attention, quand même. Attention à ce que tu insinues. Alright! Là, c'est pas mal. Maintenant, il faut vraiment qu'on change cette dégaine. C'est pas possible. Y a pas de magasin, en fait. Peut-être y en a. Parce que là, c'est un coin un peu plus branché. C'est quoi, ça? Y a un point, là, c'est quoi?
On va voir. Attendez. Ah mais non, mais je suis censé y aller en fait. Mais je suis en mission, je me rappelle plus. Je suis en mission là. Hey, il se passe quoi là? Waouh. Oh, c'est un carjacking. Carjacking en live. Carjacking en live. Appelez la police. Attendez, je vais juste voir ce que c'est là-bas, l'objectif. Le bruit des voitures est horrible. Wouhou! Regardez les jeux de lumière sur la carrosserie, comme c'est bien fait. Hein. C'est marrant parce que t'as vraiment un mélange de trucs, genre hyper stylé. Par exemple, tu vois, le coiffeur, l'endroit est hyper bien fait, quoi. À l'inverse, t'as des trucs, genre bah, par exemple la serveuse du burger, là. Waouh! Tu sens que c'est vraiment un monstre hybride entre le remaster et le jeu d'origine qui la fusion a pas été terrible. Oula. Ah mais c'est ici le... C'est ici. Le Muscle Beach qui existe en vrai. Alors il faut savoir, j'ai une petite anecdote, j'y suis allé en vrai. Et ça a failli partir en baston général à cause de moi dans tout le Muscle Beach. Sachant que les mecs c'est tous des montagnes. C'est tous des gars de 2 mètres avec des épaules comme as et tout. Et en fait, truc de ouf, parce que moi, c'était à l'époque de GTA V. J'étais genre en mode trop content. J'y vais pour la première fois dans la vraie vie et tout. Et du coup, bah forcément, t'as l'air occupé, je devrais revenir plus tard. Ah ouais, je suis en mission. Et du coup, bah forcément, je vais aller au Muscle Beach. Parce que dans GTA V, GTA Online, c'est un endroit assez culte. On y allait tout le temps et tout. Et du coup, j'y vais en vrai et je commence à filmer. Et je faisais une vidéo genre GTA V dans la vraie vie. Et du coup je reprenais genre des séquences dans le jeu et je les refaisais dans la vraie vie. Et du coup je vais genre juste au Muscle Beach, oh, comme ça. J'y vais dans GTA V, je filme dans le jeu. Et après tac, j'y vais en vrai. Et tous les mecs ils ont commencé à se ramener. Ouais, vous avez une caméra et tout, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout. Et c'est vrai qu'on avait une assez grosse caméra parce qu'on faisait aussi les vidéos de l'E3. Donc on avait un matériel professionnel. Et les mecs ils étaient trop en mode ouais c'est la télé et tout. Et moi je fais mais non, je suis juste youtubeur, je suis petit youtubeur, je commence les vidéos et tout. Et les mecs je dis ouais vous donnez notre caméra ou vous nous donnez 500$ maintenant et tout. Vous nous filmez pas, il faut nous faire signer un contrat et tout. Les mecs ils venaient tous autour de nous, ils commençaient à vouloir prendre la caméra et tout. Et moi j'ai gardé la gueule, je fais mais ouais je fais quoi, t'es un malade ou quoi. Je fais juste une vidéo YouTube, me casse pas les couilles et tout. Ouais, tu parles autrement et tout. Et là il y a un mec qui est genre, tu sais, les crackheads avec leur caddie et tout, il arrive en courant. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Il commence à vouloir frapper et tout. Je vous jure, une dinguerie. Il s'est passé vraiment n'importe quoi. Et j'ai refusé de payer, j'ai refusé de donner à la cam, j'aurais dû la faire foutre. Et en fait, il y avait tellement de touristes, il y avait tellement de gens, je me suis dit, jamais ils vont nous taper, tu vois. Genre, s'ils nous frappent, bah oui, ils vont nous déglinguer, c'est sûr. Mais c'est un endroit tout touristique, il y a plein de touristes. À mon avis, tu fais ça, c'est pas bon pour l'image. Et au final, ils ont rien fait. Donc c'est pareil, mais voilà, c'était la petite anecdote marrant, donc malheureusement la séquence était pas intégrale dans la vidéo quoi. Parce qu'on a la caméra était coupée, ils voulaient supprimer nos rushs de la vidéo, et moi j'étais un malade ou quoi. Je suis en train de faire GTA V dans la vraie vie, je suis en train de kiffer là, me casse pas les couilles avec tes muscles. Alors qu'est-ce que je dois faire? Hey, ça roule. Bah oui. Ah c'est la fête en fait. Ok, j'adore comment tu bouges, on va ailleurs. Oh, un date. Bah ouais. Elle va venir avec moi? Mais c'est qui du coup c'est? Laisse-moi te montrer mon bureau. Oula. Vole la camionnette de la sono. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est une mission ou quoi? J'ai pas du tout suivi. Ramène la camionnette au garage. Mais non, j'avais un date. Mais non. Non. Ah, c'est une mission, c'était dans le scénario. Putain, j'aurais pu me la faire. Fais chier. Oh merde, pardon. Excusez-moi. Pardon. Oh, ah, c'est pas moi, on m'a poussé derrière. Et hop. Ah, j'ai le sabre. Ah, mais merde, j'ai pas voulu l'écraser celle-là et voilà. J'aurais mieux fait de l'écraser. Vous avez trouvé comment mon petit déhanché? Eh, hey, il m'emmerde. Ça passe ou pas? Attention. Oh, c'est des mecs de Groove Street en plus. Pardon. Pardon. J'ai écrasé des mecs du gang. Alright. On est bon.
En fait, j'ai pas suivi. J'ai vu que j'ai lancé une mission, mais j'ai pas fait gaffe. Oh, regardez, il y avait du roller. Je sais pas si on... Non, on peut pas en faire, nous, je crois. Oula. All you have to do was follow the dead train. Un boule qui chamboule. Oh, putain, mais vraiment, les passants... Vous vous mettez n'importe où. Merde. Je crois que j'ai l'impression d'avoir pris un peu de masse, non? Mon perso est un peu plus musclé. Ah ouais, puis j'ai les flics. Là, je... Ah, mais on peut pas aller dans le commissariat ou un truc comme ça? Tout à l'heure, dans la mission, je pouvais rentrer dans le bâtiment, là. Bon courage à toi, Rima, si tu fais tes devoirs. Mais concentre-toi sur tes devoirs. En fait, je vais voler la sono, quoi. On va faire un petit festival. Ouais, il y a un god dans le comico, et je m'en rappelle. All you had to do was to follow the damn train, CG. Alright, regardez-moi avec ces belles tresses africaines. Je pense que je plais aux femmes dans la rue. Bonsoir. Ah, celle-là n'était pas très attentive, mais... Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Tu ne bougeras pas. Je t'ai coincé. Les PNJ font un peu peur. Hein. On va pas se mentir. Oh, c'est une belle voiture, ça. Les gars, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait là. C'était quoi? C'était une mission? C'était une mission secondaire? Je sais pas. T'aurais aimé un remaster de GTA 4? Non. En vrai, y a rien à remaster. Enfin, je sais pas. Non. C'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Je pense que un remaster de GTA... En fait, le jeu, il est tellement abouti techniquement qu'il a pas besoin de remaster pour la... Pour, D'ailleurs, on a fait une vidéo avec pas la barbe il y a pas longtemps. Le jeu est juste génial. Et il tient super bien. Un remaster aurait vraiment pas de sens, je trouve. Ça va rien rajouter, tout est parfait, tout est nickel. Ça passe ou pas? Ouais, c'est mon avis. Après, j'avoue que s'il y a un remaster de GTA 4, je serais un peu en mode... Un peu too much. T'as volé la sono pour le mec sorti de prison qui veut sortir un disque musical. Ok, d'accord. J'avoue que je me suis un peu déconnecté à ce moment-là. Où est-ce qu'on est? Je suis où, là? Ok, je suis là. On a Big Smoke, on a Ryder, on a Sweet, on a OG. Est-ce qu'on va aller un peu avec Groove Street? Non, je pense qu'avant de parler... Waouh! Calmez-vous. Qui sortent GTA 6 avant. Parce qu'en fait, même si GTA 5 est génial, il est pas non plus si éloigné de GTA 4, tu vois. Alors que s'il y a un GTA 6 qui sort, qu'on passe vraiment une nouvelle techno, un nouveau moteur, et là on se dit ok, ça c'est le nouveau standard, on va s'y habituer, on va avoir l'habitude de voir des jeux comme ça, il y aura plein d'autres jeux comme ça qui vont sortir. Et là, GTA 4 va nous sembler loin, et là il y aura un véritable intérêt de le réadapter avec le moteur de GTA 6 et d'avoir une vraie nouveauté, d'ajouter des fonctionnalités. Voire même plus loin, tu vois. Par exemple, imaginez, GTA 6 sort et t'as GTA Online qui va être la base du jeu, tu vois. Peut-être que, plutôt que de remasteriser GTA 4, bah, y aura peut-être un remaster du solo, mais surtout, la map remise au goût du jour, ajoutée online, tu vois. Donc t'aurais la map de Liberty City dans le online qui sort. Un peu comme là, il y a eu avec Cayo Perico, tu vois, où c'est une toute petite île. Mais là, imagine, c'est genre New York, tu vois. Gros DLC et tout, online, avec des nouveaux braquages, des nouveaux trucs. Ça, ce serait masterclass. Ça, j'achète direct. Mais bon, ça, c'est dans 5-6 ans, tu vois. Sweet! Small! Let's go, sweet girl! Shit, where all the homies at? Mal à la tête. Surtout que ouais, le GTA 6, le online, ils vont vraiment accentuer le côté jeu service comme GTA Online actuel, tu vois. Je pense que ça va être vraiment insane. Hein. J'arrive, mon zinc. Hey,
Ouais, je vais acheter des habits après. Je suis d'accord avec toi, Urzo. La conduite de GTA 4 est un peu chelou. C'est sûr que la conduite de GTA 5, elle est juste... elle est très arcade, très facile. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ce qui permet de faire des courses, vraiment, les courses what the fuck et tout, c'était génial. Alright, on va aller sauver un petit peu. Visiblement, il a tiré son petit coup. Et là, il est en train de se faire allumax. Alright. Les familles de Civil Boulevard ont assiégé Sweet dans l'appartement de sa meuf. Descends ces mecs. Alright. Je vais clairement les écraser. Hello. Salut. Pour me faire chier, j'économise mes munitions, moi. Hop là. Hop là. Hop là. Et voilà. Et on prend les munitions, bien évidemment. Laisse-moi prendre juste les munitions. La munition, ok. Je vais prendre cette bagnole. Hein. La vraie bagarre. Il est là le Simon, il va se plaindre, ils ont juste mis en HD. Regarde-moi cette beauté. Oh regarde. Regarde ces animations extrêmes. Ouais, on est vraiment sur un pack de textures à 60€, mais... Non mais regarde comme c'est beau là, regarde la map derrière, regarde le soleil, les palmiers. Je te jure que si tu regardes des images de San Andreas de l'époque, tu vas vite halluciner gros sur comment c'était. Ah ! Désolé madame, je suis désolé, excusez-moi, pardon. Hop là. Mes yeux souffrent. Regarde, non, regarde comme c'est beau là, waouh. Tu streams jusqu'à ce qu'elle est, j'en sais rien. Oula. La petite fessée. You did good back there. Oh là, le son, hey, il est éclaté. I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. C'est quoi cette animation? Là, il n'y a pas eu d'effort. Là, clairement, il y a... y a eu un manque d'effort, évident. Alors, attendez, je vais juste faire un petit test. On va retester ensemble. Puisque là, on est en mode performance. Si je passe en mode... fidélité. Putain, ça me paraît vraiment horrible quand t'es en mode fidélité, quoi. En vrai, ça change pas tant que ça, non? Pourtant, tu perds tellement de performance. Voilà, c'est... Merde. What? Oh! Tu arrêtes! Ah ouais, là, c'est tellement mieux! Mais oui! Bon, on refait une mission avec lui, parce qu'avec lui, ça canarde. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess. Hey, rien qui change, on est d'accord. Is killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. Ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a Ooh. Bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't... Regardez les gars, j'ai pris de la masse, non? Don't say a word, Carl. Just follow She's your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. All right. Va au garage de Willowfield. Putain, mais ça canarde toujours. On va se prendre... Est-ce qu'on prend un petit BMX? C'est loin ou pas? Oh, c'est pas très loin, on peut y aller en BMX. Excusez-moi, je vais reprendre ça, merci. Et c'est parti. Et en vrai, il cavale, hein. En plus, si je fais ça, ça va travailler mon endurance et tout. Ah. Comment on saute déjà? Ah oui, d'accord. C'est L1. On va tenter l'impossible. Le joueur français. Qui va tenter le saut. Yeah. Let's go. On n'a rien perdu, bien évidemment.
Il pédale. Regardez comment il pédale. Regarde sa posture, quoi, son dos. Oh merde, j'ai écrasé quelqu'un. Excusez-moi. Il est... Regarde son ventre, eh. Regarde son ventre. Il est tout tordu. Oh. Que des meufs. Ah, c'est la mission, c'est pas la mission où il faut faire de... Un truc qui est drôlique, là. Merci Zodak, merci pour ton sub. C'est les voitures où les... C'est la mission où les voitures dansent. Je m'en rappelle plus trop. Oula. Je me rappelle que je trouvais ça incroyable. Quand on est juste en mode, oh ouais, c'est un truc de ouf. J'arrive jamais du premier coup cette mission, oh putain. Le challenge. Les fameuses missions difficiles de San Andreas. Entre dans le garage de tuning en marche arrière avec le lowrider. Merde, je l'ai tapé. Merde, j'ai tapé. Bon, tant pis. En vrai, je m'en branle. Rien à foutre. De toute façon, je vais pas la garder, donc... Rien à foutre, mode ton tuning, pas de temps à perdre. Tu peux retourner au garage quand tu veux. Alright. Allez, on va tenter. K-Rose. Ça, c'est du rock, hein. Ah non. Petite musique feel good. On est sage. On est des gentils garçons aujourd'hui. J'ai activé les hydrauliques. Oh merde, j'ai fini dans la déchetterie. Attends, merde. Oula. Ah, je me rappelle de la mission. C'est ça en fait. C'est t'as de la musique et tu dors comme ça, genre. Je m'en rappelle. Elle était méga dure, oui. Je m'entraîne. Vous pensez que je suis en rythme là? Ouais, je pense que je suis prêt. Attendez, j'enlève parce que... Aïe. Merde, la voiture. Ouais, après on prendra des habits, ouais. Après ça, on va se zapper. Mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé de magasin autre que Bingo. Chez Bingo, c'est un peu de la merde. Oh, waouh! Waouh! Convention tuning! Incroyable. Let's go. On va montrer de quoi on est capable. You up for a bounce, homie? Hey, yes, sir. Hey, yo, ah ouais, faut miser et tout. Mise. Vas-y, je mise à fond, moi. Moi, je mise 700 balles, mon gars. Tu vas faire quoi? C'est presque tous mes sous. Ouais, je crois que j'ai pris des risques. Oh. Ça. Ah, elle monte. Ah, la fameuse ouverture de caisse. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise les commandes de suspension au rythme. Oh putain. Ah d'accord, c'est ça, ok. Ah mais c'est encore une mission de danse comme tout à l'heure. Putain, l'enfer. Facile pour le joueur français. Quoi? À chier? Et il me dit super. Ouais, faut savoir, hein. Je suis en train d'exploser le concurrent, je suis à 300 mon zinc. J'ai explosé le compteur, arrête de me dire à chier. C'est pas vrai, je suis en plein dedans. Quel mensonge. Accroche-toi ma belle, je vais te faire swinguer avec mon véhicule. Je suis en train d'arracher le pare-choc carrément. Il y a plus rien qui va, je vais tout arracher. Je vais frotter la bavette et arrêter le carénage, tu vas voir. Hop. Et hop. Bah voilà, c'est juste ça. 765. Ah non, c'est pas fini, merde. Hop. Hop. Accroche-toi, ma belle, tu vois. Elle va tomber. Je vais te faire tomber. Hop là. Ça, c'est tellement un truc de kéké, quand même. Faut se dire que ça a vraiment existé. Peut-être que ça existe encore.
Ça doit être trop drôle. Ok, donc quand je suis en retard, il me dit parfait en fait. D'accord. Mais il me dit parfait, alors que je suis clairement en retard. Bah vas-y, je vais faire que en retard. Hop. Pas de problème. Y'a aucun problème. Ouais, je suis sûr du parfait. Waouh. Wouhou. Rodéo. J'en veux une. Allez, donne-moi la moula. Plus dur dans mes souvenirs. Je pense que c'est parce qu'on était terriblement nuls. Oh, c'est Laylo. Exactement. Oh, bah du coup, j'ai gagné 1004. Waouh, la richesse. Allez, cassez-vous de là. Waouh, waouh, waouh. Les flics, ils arrivent. Je me barre. Ah, c'est quoi ça, attends? C'est pas un magasin de vêtements? Ah, c'est les flics, je pense. Hey, who is this? So, homie, it's Caesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Okay, you go après? Does the Pope shit in the woods? Bah, I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoofies, homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice. You don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for you. These guys can be very nervous with the new racers, eh? All right. Oh, ils ont oublié d'animer un truc. Oh, mais non, pas du tout. Je m'en rappelais pas de ce genre de magasin. C'est genre le supermarché. Et tu peux faire quoi? Oh. Ah ok, tu peux jouer. Tu peux acheter une boisson. C'est tout. Il y a un problème de lumière, hein, par contre, dedans. Le série, je voulais savoir si pour ton vin, c'est un bouchon en liège. Et si... Alors en fait, c'est un bouchon spécial, si tu demandes, mange ton tour. On en parle dans la vidéo, mais en gros, c'est un... C'est un bouchon sous brevet qui permet justement de pas bouchonner la bouteille. T'as genre 100% d'efficacité par rapport à ça. Donc c'est un liège plus, c'est un mélange différent. Pour éviter justement le liège qui à la fois peut tomber dans la bouteille, tu sais, si tu l'ouvres mal et tout. Là, c'est hyper compact en fait et c'est breveté. Du coup, on est parti sur ça. C'est genre les meilleurs bouchons que tu peux avoir sur une bouteille. Donc ne te fais pas de soucis. On peut pas faire grand chose? Ouais. Bon. C'est pas les vêtements. Non, César, ça va être ton gars sûr. Vous allez même bouger ensemble à San Francisco. Ah bon? Je confonds avec un autre jeu. Ah, je confonds peut-être avec Mafia. Merci, Saizini. Merci. Merci pour le sub. Vêtements. Bah là, mais c'est du bingo, quoi. On va aller voir. Allez. Muscu, vêtements. Ah, c'est quoi, ça? C'est quoi? On va voir. C'est un casino, non? C'est quoi? Ce qui aurait été génial sur GTA, là, c'est de mettre un mode cop, imaginez, ça aurait été incroyable. Ok, donc c'est pour aller sur le dance floor. Pourquoi il n'y a pas de musique? Je l'ai pas enlevé, la musique. Vous dansez, mais il n'y a pas de musique, messieurs, vous le savez, hein. Donc j'imagine que ça, c'est un mini-jeu pour faire de la danse, et j'ai clairement la flemme, je viens de danser avec une voiture, je viens de danser sur la plage. C'est bon, j'en ai assez, j'ai eu ma dose. Je vais me prendre une petite boisson. Allez. Un petit sprink. Pas de spoil, les gars, dans le chat. Spoilez pas. Il y en a qui connaissent pas. Moi, j'ai oublié aussi plein de trucs, donc évitez de spoiler. Merci. Tout spoil peut mener à un ban. N'oubliez pas. Alright. Eh ben, écoutez, on va aller au magasin. Oh, waouh! What the fuck, c'est stylé de ouf! Incroyable! Bonjour madame, je voudrais des habits de haute qualité.
Regardez, là, même le PNJ, il est... Tu vois, c'est ça que je trouve. Il y a des, vraiment des moments dans le jeu où tu dis, putain, là, c'est Kali. Ok, c'est là-bas. Regarde, le miroir et tout. Par contre, de devoir les mettre à chaque fois. Alors, est-ce qu'on a des choses plus intéressantes Un petit sweet. Merci, Chocola, pour ton petit abonnement. Merci beaucoup. Abonnement niveau 1. Bienvenue. Bon, ça, c'est pas terrible, les gars. Je pense qu'il va falloir enlever ces petites sandales chaussettes. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, le coupe-vent. C'est pas mal, ça, un petit coupe-vent vert. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est déjà mieux. Ça a plus de gueule. Merci, Jupy. Merci pour le petit sub. Merci pour ce petit kikiki. Allez, je pense qu'on va pas se prendre la tête, on va partir sur ça. KDST en voiture volante en écoutant Duro Steward pour au final se prendre un sapin qui spawn au dernier moment. La nostalgie MDR. On sent que t'as des bons petits souvenirs. Les gars, il faut changer les godios, là ça va pas du tout. Les vieilles sandales de Belge. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des montantes, des baskets grises, les montantes et baskets à lanières. On va tenter les dernières. Ouais, c'est mieux. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Il y a Tony qui panique là. Il dit, s'il vous plaît, je veux pas être ban. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Respire, ça va bien se passer. Bien se passer, t'en fais pas. Les converses, efficaces. On connaît la base. Pour l'instant, je pars sur les converses. Je vais voir une dernière. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Ça, c'est les... Ok. Bah, c'est les dernières, en fait. C'est juste ça. Basket blanche. Oula. Wouah, la dingue! C'est quoi, ces trucs? On dirait des Patrick. ces chaussures babou. On va vite ranger ça. Des Gamstar. Moi, je vais prendre les petites converses, les gars. Allez. Hop. Et clairement, le pantalon qui doit être changé. Faut arrêter les conneries. It was a pleasure, sir. Pas de soucis, Thibaut. Passe une bonne soirée et bon courage pour demain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Chunglers. C'est Chunglers. C'est pas ouf. On dirait les chaussures que ta mère t'a achetées au CP. Putain, t'as pas eu de chat, mon gars. Moi, j'aime bien un petit jongleur comme ça, noir, gris. Allez, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hop. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je sais pas si vous avez entendu les vieux bruits. Ensuite, couvre-chef, non, parce que clairement, on a un truc stylé. Et on va regarder les lunettes. Les lorgnons. Oula! Les lorgnons à la Matrix. On va vite oublier cette... horreur. Peut-être une petite chaîne. Est-ce qu'on la voit là? Oula! Waouh! Quel gangster! Regardez ce style! Avec cette chaîne, tout le monde va me craindre en ville. Elle a l'air de peser 3 kilos. Faut que je me muscle. Et une petite montre, allez. Montre face. Wow! J'ai dépensé tous mes sous. Là. On est bon! Là, il y a déjà plus de style! Je pense qu'on est pas mal, là. Voilà, là, on est pas mal. On va se muscler un peu, les gars, regardez. Franchement, en vrai. On a déjà plus de style, non? Oh, le gangster! Regardez-moi ces gangsters, personne ne lui résiste. Il tape tout le monde! Absolument tout le monde, dans les magasins! Et bam, bam, bam! Regarde ma chaîne. Ah bah voilà, c'est ça, soumets-toi. Ça, c'est la chaîne, tu vois. Elle fait son effet. Merci Nature, merci pour le sub. Bon, là, on est pas mal. Là, je me sens vraiment Groove Street. 20 sur 20. Let's go, regardez. Et là, on va aller au club de gym, soulever de la fonte, parce qu'on est des hommes. C'est quoi ça? C'est... Ça, c'est... Ah non, ah oui, ça, c'est tuning. Ok. Tuning.
Comment j'enlève le repère triangle? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la coupe. Tiens, j'irai bien voir la coupe, voir ce que c'est. Et ensuite, on ira à la gym en face. Un zombie. Les gars, je vais me taper tellement de copyright. Ça va être incroyable. Je crois que c'est quoi? C'est des courses? Des genres de courses? J'avoue, j'aimerais bien avoir un peu d'argent parce que là, c'est la hesse. Cette voiture ne tourne pas. C'est un paquebot. Tout simplement. Non, je crois pas que c'est avec le beau-frère parce qu'elle était déjà là avant. Oh là! Elle a fait le plongeon de l'extrême. Ma conduite est totalement correcte. Je sais ce que je fais actuellement. Oh waouh! Désolé madame! Fallait pas rester devant moi. Voilà, on y va tranquillou. Hop. Ton niveau de conduite n'est pas suffisant. Oh! J'en ai marre de me faire bully. Je suis pas assez musclé, je conduis pas assez bien. Je suis assez bien pour personne. Faites chier. Qu'est-ce que je vais faire? On est où? On a dit la gym. Allez, on va soulever un peu de la fonte. Pardon, excusez-moi. Ça passe. Il va être ban. Aïe, 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 il y a des bans. Ah, il y a Tony qui a été ban, Tony Denis, je l'ai vu. Il pleurait, il voulait pas être ban, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Tony? T'as pas été sage. C'est ban définitif que tu vas apprendre. Ouais, j'ai envie d'apprendre les coups de boxe, mais en fait, le truc, c'est que pour apprendre les coups de boxe, il faut être musclé. Ce que je ne suis pas. Ah, j'ai pris un petit point de conduite, putain. Ça augmente pas beaucoup, hein. Depuis le début, j'ai pris que ça. Alright. Alors, on va soulever un coup. Toujours ici, c'est du 55. C'est du 55 ou rien. Hop là. Hop là. Hop là. Et je vais faire du vélo aussi. Alors, BG Vic, merci beaucoup. Mais je pense que t'es un mytho. T'es grillé parce que maintenant, on sait quand quelqu'un vient pour la première fois sur un chat. Sauf que si tu dis que je suis ton streamer préféré et c'est la première fois que tu viens sur le stream, tu es grillé, BG Vic. Tu vas pas me la faire. C'est très gentil, mais bon. J'ai plus d'eau. Eh, je prends du muscle à fond, là, regardez. On est pas mal, hein. Ah bon, on a déjà été voir la zone 51 avant, Lucas. Tu pourrais voir ça dans les VOD. J'ai atteint ma petite limite, les gars. On est déjà à moitié en mode muscle. Est-ce qu'on peut faire du vélo aussi? Ah non, t'as fait assez d'exercices. Et là, je vais pouvoir apprendre, je pense. Ah, voilà. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Oh, oh. What? Mais il m'a déglingué. Ouais, fais pas le fou, mon gars, parce que là, je vais t'allumer la gueule. Voilà, 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 voilà. Voilà, mon garçon. Bouffe mes converses. Yo, pay attention and you might learn something. Ok. Yo, charge in and batter your opponent. Quand tu cours, appuie sur rond, L2. Make sure your opponent is down and out. Bah ça je le sais. Ah oui, d'accord. OK. Never give your opponent time to recover. OK. Maintien. OK. Bah il y a rien qui change, hein. Il m'a rien appris. Ah, c'est juste ça. OK. Merci Thomas, merci pour ton petit sub. Hey, you wanna go around with me? Je veux bien en apprendre un nouveau. Fais pas le fou parce que cette fois-ci, c'est moi qui tape en premier, mon gars. Et il m'a dit, quand tu cours. Ok. Bon, j'ai rien appris de nouveau. Dans les cordes, mon gars, dans les cordes, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, mon gars. Bam, bam. Pouah. Regarde ça, je l'allume. Regarde ça, je l'allume. Dans les couilles. Là, je tape clairement dans les couilles. Hein. Et ben, il m'a rien appris, là. Vas-y, ça m'a saoulé. Je me casse. C'est bon.
Mais j'avoue que je crois que j'avais des nouveaux combos là. Là j'ai eu des nouveaux combos. Et il a le style. Là CG, il y a quelque chose. Là tu vois, je lui mets un flingue. Gatso. Ouais. CG en rendez-vous amoureux. Comment tu veux pas qu'il craque? Tu vois? CG à la guerre. Gatso, mate le flow. Regarde, il va se chier dessus. Ah non, il s'en branle. Allez, on va faire une petite mission. Bam! Non, Raph, je pense que je vais faire les autres, mais je vais d'abord faire San Andreas en fait. Je pense que je vais faire San Andreas à fond. Il y a Big Smoke derrière moi. Attention. 180. Alors. Il est où Big Smoke? Il est juste là. Oh putain! Ça passe! Excusez-moi, pardon. Faut que je check aussi comment recruter des gangsters. Oula. Oula, ouh. Scheiße. Oh, les flics. Oh oh. Ça, c'est pas bon signe. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Ça coûte 60 balles la trilogie, Engiz. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. Yes, on est sur du 60 FPS, Thomas. Ce que je souhaiterais voir, Cyril, c'est le gameplay moissonneuse. Mais y a, ça va arriver, mais il faut d'abord aller à la deuxième île. C'est pour ça que je vais faire un petit peu les missions pour arriver à ce genre de moment. Ça va arriver incessamment sous peu. Emmène Big Smoke au rendez-vous. Si t'as besoin d'une arme, va chez Emmett. Ouais, ça devrait aller. Oh, yeah. Yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Faudrait quand même que. J'achète des munitions, je pense. Là, j'ai pas grand chose. Dark Blade qui offre un abonnement. Merci beaucoup pour lui. My cousin Mary's in there. Sweet, sticky. Bud fresh off the plantation. Salut toi nous. Pull up here, let me do the talk. Ton écureuil. Merci pour ton message. J'aimerais bien le voir. Si tu peux m'envoyer une photo sur Twitter, tu me fais un tweet avec ton écureuil. Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffee-o up El Guido. Before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Pour recruter des zincs de Groove Street, c'est genre tu les vises et tu fais flèche du haut. Ok, je vais tester. Tester après. Merci Yoba, merci pour ton sub. Ça va taper. Oh, Big Smoke, il a des. Oh là, la gueule des PNJ. Ah, la gueule du PNJ, gros. Garde-moi avec mon gros bousin. On a un petit train de hype, let's go! Train de hype en approche, en 20 secondes. Ouais, je pense que je vais finir le jeu V-Box Games. Poursuis le gangsta. Ok, mec. Pourquoi je sprinte pas? L'arme est trop grosse? Wow! Ouais, j'ai fait me faire écraser. Ouais, je me suis fait écraser. Oh, le système de visée. Alright. Allez, on lâche pas. Ah! Viens là, petit enculé! Il est loin, là. Oui. Mais genre, je perds de la vie d'ici, quoi. L'abus. Où est-ce qu'il est? Attends, faut que je me repose, quoi. Hey, hey, hey. Oh, la tête du perso.
Wow. Il est parti loin. Ah, il est là. Ouais, il est résistant. T'as mangé quoi ce matin? Et voilà. Ah, j'ai perdu instantanément les flics. Ça, c'est cool. Oh, wow. Représailles. Oh, wow, wow. Il y a les balas, c'est les Mexicains. On se tire, on se tire, on se tire. Ouais, j'ai une roue crevée. Ah, merde. Waouh. Ils sont vénères, j'ai pas mis de mode là pourtant. On se casse d'ici. Allez, ça, hop. Il va falloir... Ah. Ah. Il faut que je récupère de la vie, les gars. Oh, je ne le fais pas par plaisir. Le jeu m'y oblige. Je n'ai pas trop le choix. Vous savez... Quand faut bosser, bah faut bosser, hein. C'est simplement pour récupérer de la vie. Je vous vois venir, je vous vois venir. Non, je veux juste récupérer ma santé. Est-ce que ça te dit de faire l'amour au milieu des... La voie ferrée? Ça a l'air pas mal. Ah bah l'attaque directe, j'ai même pas payé. Mais... Oh wow. En plein milieu de la voie ferrée. On n'avait pas que le train réplique. Mais attendez, j'ai pas payé, c'est gratuit ici. Ah si, là, me prend mes sous. À chaque seconde qui passe, c'est un dollar qui disparaît. Oh, c'est pas bien cher, hein. Bah, j'ai pas récupéré tant de vie que ça. Hep, hep, hep. Reviens tout de suite. J'ai pas récupéré toute ma vie. Hop. Reviens, je t'ai dit. J'en veux encore. Je veux faire l'amour. Ah, là, je crois que je l'ai épuisée. Elle veut plus de moi. Elle ne veut plus de moi. Bon, j'allais voir ailleurs, hein, c'est pas grave. Mais ça fait, ça récupère pas beaucoup de vie, cette histoire. C'est pour la bonne cause, hein. 2 dollars le coup de rein à chaque fois. Je te dis, il vaut mieux être précoce, hein. Tu gagnes des sous. Ah, ça, c'est sympa, ça. Oui. Allez, viens. On va voir si tu me ramènes plus de santé que l'autre, parce que là, j'aimerais bien être full life. On va se mettre genre là. Voilà. Là, on est bien. Allez, 2 dollars, 4 dollars, 6 dollars, allez, vas-y, 8 dollars. Non, en fait, ça coûte assez... Au final, ça coûte assez cher. Hein. Voilà, voilà. C'est pas gênant, hein. Pas de problème. Il enchaîne, il veut plus s'arrêter. Mais les gars, j'ai pas toute ma vie. Bon allez, on va arrêter sur ça. Après, bon, il y a un truc que je faisais, je sais pas si je vais faire en live, mais ce que je faisais, c'est tu peux les tuer pour récupérer tes sous. Mais bah ouais, tu vois, regarde, on dit tu l'as, vous êtes des malades. On respecte les gars. Ça, ce serait vraiment tordu. Je joue. Je fais l'amour. Et je prends en considération ce que la femme m'offre. Et je lui dois le respect. Même si c'est un jeu, je respecte. Je ne la tuerai pas pour récupérer mes quelques dollars. Là. Allez, on enchaîne. Petit gourmand. Jamais 203. Gourmand. Non. Si peu. Hop là. Le beurre. Et l'argent du beurre. Hey Carl, keeping busy, I hope. Ah, mais il y a toujours les flics chez Big Smoke. Yeah, c'est louche. I know everything about you. Don't touch me. That's right, Carl. I got my eye on you. And like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker. What was that all about, baby? You tell me. Oh hell, man. Merci Minox. Merci pour ton sub. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. Three deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Where to? All right.
What we looking for, Smoke? Some bogus cats. C'est la mission non, c'est pas la mission des rails. Some kind of deal. San Fierro. I thought northern Mexicans don't make. La mission du train. Shit, you got me. That look like. Aïe aïe aïe, la mission du train. We got to get those fools. All right. Let's go, la mission du train. Allez. All you had to do was follow the goddamn train. On va essayer de pas la fail, les gars, parce qu'elle était vraiment considérée comme une des missions les plus difficiles de San Andreas. Allez, déglingue-les! Ah, waouh! Oh, le strike! Waouh! Je sais pas si moi ça marche. Non. Ouais, j'ai plus d'armes. Waouh, waouh, waouh! Merde! Non! Ah, c'est bon. Ça passe! Ah! Oh merde! Ah bah non, c'est pas passé. Eh ben. Je pensais que ça passait entre les deux. Vite, vite, vite! C'est bon, c'est bon. Allez, il en reste plus qu'un. Ah non, il en reste deux. Oh! Il est tombé. Pourquoi je peux pas tirer? Je peux pas tirer avec mon flingue. Eh mais gros, il a un aim de merde. Voilà. Déglingue le Saras. Et voilà le travail. Waouh. Oh non. Oh putain. Oh, j'ai eu chaud, sa mère. Oh, j'ai cru qu'elle allait éclater la moto et nous écraser. Reviens ici, toi. Allez. Nice, ça. Du premier coup, les gars. La mission du train. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Allez, allez, allez. Je suis pas sûr que de devoir passer par là, mais... C'est le mouchillette. Non, c'est pas le mouchillette, ça. Non. Non, c'est Vinewood. Elle était vraiment facile. Ouais, on a eu chaud, en vrai, on a eu chaud quand même. Sur la fin, j'avoue, c'était délicat. Délicat, compliqué. Je prends des risques. Oula. Oula. Waouh. Oh putain. Wow. Ça passe. Tout est sous contrôle. Ne vous en faites pas. Tout va bien. Excusez-moi. Oh, il est trop bien ce passage. Frotte la bavette. Oh waouh waouh. Ah, c'est des mecs du gang. Je roule comme un zinc. Oh là là, le virage en finesse. Là à gauche. Bah voilà les gars, elle était pas si terrible cette mission. Hey, you better clear out, CJ. On va faire toute une histoire. Alright, homies, you be careful with those cats. I'm gonna see you later. Nice. Alright. On est pas mal les gars, on avance bien. Tout se passe bien. Il y a encore les easter eggs. Bah oui, je pense qu'il y en a encore plein. Après, je sais pas auquel tu fais allusion. Just business. Hey, CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. C'est vrai que les missions, elles s'enchaînent facilement. Hein. Tu te laisses aller... Get stupid.
Alright. On va couper un peu. Alors, on va faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on va faire? Alright. On est bon. Oula. Look, Cole, before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, salut à tous ceux qui arrivent. Bienvenue, les gars. Blasting, right? I'm down, dog. Je me rappelle pas de cette mission. Hey, baby. Bon company? Motherfuckers! Oh, wow. Oh, wow, wow, ça y est, là, c'est le... C'est les bonnes missions gunfight. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il fait quoi lui? Eh ouais mon gars! Personne ne me résiste! Oh wow! On m'a mis une cartouche. Oh wow. Comment j'ai fait ça? Ah ouais, d'accord, comme ça. Nice. Voilà. Lui, je vais finir. Oh, il y a un gilet pare-balles, là. Hop là. Nice. Petit gilet. Appuie sur R1 pour ramasser cette arme. De ouf. Je suis chaud de ouf. Oh ouais, elle est géniale. Attends, il y en avait une tout à l'heure ici, non? Elle a disparu? Fuck. Hop là. Ça me fait penser au dernier épisode que j'ai vu de Narcos Mexico. Je sais pas s'il y en a qui suivent. Elle est trop bien cette série, les gars. Faut regarder. Regardez Narcos Mexico. Ça flingue comme ça. Ils sont généreux. Oh, les gunfights. Time to return the favor, baby. Get on. Ah, c'est lui qui conduit? Mom, on n'est pas dans la merde. Narcos Mexico est autant bien que Narcos normal. Franchement, limite, moi, je préfère la version Mexico. Elle est vraiment, vraiment bien. Voilà. Les deux sont géniales, en fait. Oh wow! C'est pas lui que je voulais détruire! Ah non, mais c'est lui, d'accord. C'est chaud sa mère! Elle est incroyable cette mission! C'est quoi ces gros célèbres? Oh la vieille anime! Ah, mais je peux pas le tuer! Habilité au pistolet mitrailleur, niveau gangster atteint! Oh wow! Oh wow! C'est chaud ma gueule! Ils sont où les autres? Oh waouh! Oh la puissance de la mission! Eh les gars, c'est trop dur de viser! Ah, ah. Oh, on est bon là! Oh là 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 là! L'efficacité du garçon! Là, j'avoue, la souris, ça aurait été plus simple. Hein. Qu'est-ce que vous foutez avec un joystick? Merde! Wow, slow motion. Un peu éclaté. Allez, on va dire que la tentative était bonne. Oh, ça flingue là. On ne s'arrête plus. Ouais, lui, je peux pas le tuer. Vas-y, c'est bon. M'a saoulé. Oh wow, j'avais pas vu tout ce qu'il y a, wow.
C'est scripted. Ouais, moi je l'ai flingué. Easy. Clin d'œil à Terminator, bah oui. Bien sûr. Complètement. Vraiment, je regarde Terminator encore d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Oh, j'ai eu peur. On va sauter au-dessus, ouais. Oh my god. Oh, l'explosion, mais genre, qui sort de nulle part, quoi. Les mecs, ils ont implosé. Je crois que j'ai des balles explosives, c'est pas possible. Oh là 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 là! Cette mission! Oh! Waouh! Waouh! Ça c'était ouf! Il veut pas mourir lui? We lost him, Smoke! Man, we better split up. I'll take it another block and dump it. Man, that was some crazy shit back there. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby! Let's go! Putain, ça s'est enchaîné super vite, genre! Ça s'arrête d'un coup. Hop là. Alright. Très bien, très bien. Alors, mais là, t'as vraiment les voitures qui explosent de deux, quoi. Où est-ce qu'on est, là? C'est sympa, ça. Oh putain, les Mexicains. Ok, je vais leur foutre des fleurs dans la gueule. Mes fleurs. Ah. On a dit les fleurs, pas des fusils. Vos armes n'égaleront jamais la force de l'amour. Ah, je me bats. J'étais non violent. Ah, mais il y en a partout en fait. Oh putain. Oh. Et si je saute là, c'est finito. Si je saute là, c'est mort. On est où? Ah, on est au port. Et puis c'est moi qu'on va arrêter, bien. Oh putain. Ah bah les flics, on va dire qu'ils m'ont ramené une moto. Salut. Hop, merci pour la moto. Allez, salut. Hihihi. Allez, on va faire une mission d'autodéfense, je sais plus ce que c'est. Ok, suspect aperçu pour la dernière fois dans les environs de Las Colinas. Let's go. On active les gyros. On y va à fond. Ça passe. Je me rappelle plus de ce que c'est. Faut arrêter des gens, faut les tuer, non? La bavette! On frotte la bavette! Oh putain! Wow, wow! Wow! Là, bon, ça passe. Ok, il arrive. Je dois faire quoi? Wow! Je le tue? Ah, c'est chaud, hein? Oh putain, ça va péter! Merde! Ouah, j'ai chaud! Ah voilà! $50! C'est pas ouf! Et en plus, j'ai les flics! La merde! Ça sent l'arnaque, tout ça! Là, on est près de la maison. C'est ici qu'habite Lester. Oh, merde. C'est bon, tout va bien. Elle est où, ma bécane? Elle est là. Ah, il va pleuvoir du sperme. Attention. Il y a les missions... Ouais, vous m'avez dit... mission de pompier à skip, ça gagne de ouf. Est-ce qu'on peut les prendre sur une moto de police, par exemple? Non. Je pourrais pas gagner de la vie, les gars. Je suis vraiment... Ah, mais je suis encore en mission, en fait. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre, moi. Alright. Est-ce qu'on n'irait pas à se prendre un petit burger? Faut qu'on aille faire la muscu du jour, aussi. Fais taxi, taxi, pitié. Pourquoi vous voulez absolument que je fasse... taxi.
How may I further degrade myself, sir? Yo, je vais vous prendre un maxi bucket. J'ai envie de faire du sale. On est sur un CD musclé, Marius. Non, je vais craquer, faut pas craquer, non. Allez, pas de salade. Pas de sage. Let's go. Don't choke on the bone fragments. Faut entretenir notre corps de rêve. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je pleure actuellement. Hop là. All you have to do. Oh mais wesh, c'est bon. Arrêtez toujours me flinguer. C'est trop. Ah tiens, on va aller voir les flingues. Voir ce qu'il nous propose. Le petit Emmett. Alors, ah bah là déjà j'ai un flingue gratuit, ça fait plaisir. Et ensuite. C'est juste ça? What? Ah bon. D'accord. Bon. Je pensais que genre il allait qu'il avait genre un magasin ou. Il y a même un stand de tir. Ça passe ou pas là? C'est stylé. Wouhou! Je m'envole! Oh non. Ça ne marche pas. Oh merde! Oh les stunts, c'est pas ça hein! Oh merde. Hop là. On a rien vu. Allez, on y retourne. Non! Putain, mais je suis bloqué ou quoi? Laissez-moi sortir de cet enfer! Ah, voilà. Je suis dans le quartier qui craint, là. Ah, bah ouais, mais ça me tire direct! Le quartier des ballasses! C'est où Grove Street. What? C'est où la maison? Parce que je vois pas la disquette. Ah oui, c'est là. Ah oui, donc c'est juste derrière. Ok. On y va. De mémoire, les gars. Poup, poup, poup. Là, je prends à droite et on sera bon. Oula. Direction la maison. Ok les gars. Ce fut une journée bien remplie. Hop là. On va arrêter ici pour la petite VOD YouTube. C'était la deuxième, la troisième vidéo, je ne sais pas. Je vous laisse les au revoir du chat. Hop, ils sont juste ici. Vous pouvez dire un petit au revoir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode. Vous pouvez venir aussi avec nous en live, comme actuellement, avec tout le monde, si vous voulez. Salut les youtubeurs! On se retrouve pour une prochaine. Allez, bye.